Alors, le 23 juillet, la flamme passera dans les Yvelines. Elle passera dans le sud Yvelines à Rambouillet, capitale du sud. Elle passera également à Saint-Rémy-les-Chevreuses, parce que c'est à Saint-Rémy-les-Chevreuses le bassin de la famille de Coubertin. Pierre de Coubertin a été le créateur des Jeux Olympiques modernes. Il était donc normal qu'on lui rende hommage. Puis, en remontant Versailles, où se finira le passage dans le domaine de Madame Elisabeth, propriété du conseil départemental, pour une soirée festive. Et lorsque nous regardons ensuite la carte, à l'est, nous serons à Saint-Germain-en-Laye, qui est une grande ville de sport. Nous serons à Poissy, où le campus du PSG va être inauguré en septembre. Nous irons aux Mureaux, puisque les Mureaux ont accueilli l'Olympiade de 1924. Et nous finirons à Mantes-la-Ville. Mantes-la-Ville, grande ville sportive, grande ville aux performances sportives reconnues et grande ville en pleine renaissance qui participera à la construction de cette très belle image du département des Yvelines que nous voulons donner à l'occasion de cette journée de la flamme dans les Yvelines.